T'es pas sérieux? De. Ne me dis pas que je t'ai acheté FIFA 23 sur Switch? Bah ok, je te dis pas que j'ai acheté FIFA 23 sur Switch. Non, sérieusement, qu'est-ce que t'as foutu? Bah il était à moins 50% si on le précommandait, donc j'ai économisé 20 euros. Pour le même jeu que FIFA 19, tu t'es fait voler 20 euros plutôt là! Et silence. Silence. Et je suis où là? Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas trouvé trois nouveautés à la version Switch de FIFA 23. Si tu ne réussis pas. Alors quoi? Menace, menace! Est-ce que tu viens vraiment de me menacer en disant menace, menace là? Bon. FIFA 23 sur Switch, j'ai même pas de boîte à vous montrer, je l'ai pris en démat aussi. Je sais, j'ai trahi à mes principes. Passons. Première nouveauté sur cette version Switch, c'est qu'ils ont changé les commentateurs. Exit Hervé Matou, qui était en cabine depuis plus de 17 ans, place à Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Et si vous êtes pas content. Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames! Que pensez des commentaires? Franchement, ça va. Oui, ça va. Non, bah c'est bien. Sincèrement, hein, rien à redire. Ouais, mais t'as mis les commentaires à zéro. Bah oui, mais c'est soit eux, soit moi, on peut pas tous parler en même temps. La deuxième nouveauté, c'est dans le mode carrière, un commentateur qui nous annonce les résultats en direct dans les autres matchs. Les rageux diront que c'était déjà présent dans les autres versions, moi je dis chute. La troisième nouveauté, bah ils ont mis à jour les maillots et les effectifs. Voilà. Ils n'ont plus la licence de Naples. Hein? C'est devenu une exclu Konami. Ah ouf. Entre-temps, PES est devenu eFootball. Hein? Oh, mais on fait quoi là? On avait dit trois nouveautés. Trois vraies nouveautés. Justifie ton gaspillage d'argent là. Mon gaspi. Papa? Maman? C'est vous? Non, tu te parles à toi-même et arrête cette vidéo, ça devient gênant pour tout le monde. Mais hey, attends 2 minutes là, c'est moi qui décide quand j'arrête ma vidéo.